C'était une fois un petit enfant qui avait des sensations de déjà-vu. Il ignorait totalement qu'au bout de vas-y, vendredi, c'est ton tour de faire l'éclaireur. Si vous saviez. Vraiment, si vous saviez, quoi. Tu viens vendredi, je vais pas leur dire tout de suite. Oui, bienvenue dans cette nouvelle session dans Little Nightmares 2, mais je suis pas sûr que vous soyez vraiment bienvenue. On va vous expliquer ça avec vendredi. Tu viens? Oh. Bon, ok, il va rester. Oui, on a vu des choses. On a vu beaucoup, beaucoup de choses. On a vu énormément de choses. Viens, prends ma main. Viens là. Et je sais pas si ça se résume facilement tout ça. Il bouge pas cet ascenseur ou c'est moi hein? Non, parce qu'on s'est donné vraiment beaucoup de peine pendant que le monstre qui nous coursait est en train de cramer là-bas. Pas mécontent de changer d'étage. Oui, vous avez vu dans le résumé tout le bordel? Ah, chef. On en a bavé avec vendredi, je vous le jure. Donne-moi la main, tiens, viens. Et donc, on va aborder une nouvelle partie du jeu. Pleine de surprises et de rebondissements, bien entendu, mais pas que des bons ni des heureux. T'as pas trop envie d'y aller, toi, hein? Ouais, t'as raison. Moi non plus. Mais... attends, voir. Il se trouve que les mannequins, il y a beaucoup de mannequins ici, ont tendance à se ranimer hein, sans notre opinion ni avis. Et en plus de ça... il y a des tas de gens pas très sympas, quoi. On va se rafraîchir un peu, je vous fais voir ça tout de suite. Tu veux quoi comme parfum, toi? J'en prends une pour moi aussi. Tiens, vas-y, sers-toi. Oui, on a déjà eu pas mal d'émotions avec vendredi. Et ces personnes mal intentionnées, je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que... Niveau histoire, rien ne s'éclaire vraiment. On est dans une ancienne école, hein, d'après ce que j'ai compris, mais apparemment les gens ont été plus occupés à faire des expériences sur les mômes qu'à réellement enseigner quoi que ce soit. Si, la dissection peut-être. Tu m'aides? Et du coup, il y a une partie de l'école qui est largement, mais alors très largement dédiée au démembrement, au dépeçage et à d'autres activités ludiques, on va dire, qui ne sont pas recommandées dans la vie normale. Oh, on va se tremper la gueule encore, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fout dans la poubelle les... Ah oui, dites-moi pas, vous ne l'avez pas vu. Allez voir. Oui, moi, je m'intéresse aux gens. Aux jambes et aux gens aussi. Monsieur? Faut pas, faut pas. Bon, je crois qu'il viendra pas avec nous. Hein. Papier en tout cas. Oh, une chaussure, je prends. Pourquoi?
Parce que si cette chaussure est posée là, c'est qu'elle va forcément servir à quelque chose. Croyez-moi, ce jeu vicieux est... J'aime bien fouiller de partout dans les poubelles. Alors, une des grandes qualités de ce Little Nightmare 2, c'est son ambiance. Parce qu'elle est parfaitement réussie. Et je dois avouer que, paradoxalement, j'ai eu plus de tension que dans The Medium, par exemple, à titre de comparaison. Alors que le jeu est linéaire, mais encore plus. On ne saurait l'être davantage. J'aimerais bien faire écouler tout ça. Attends-moi là, vendredi. Je suis sûr que je peux le faire écrouler et me le prendre sur la tronche. Oh, c'est pas drôle. Ok. Et du coup, c'est une parfaite réussite dans le domaine, puisque je vous garantis que les passages où vous devrez un petit peu performer pour avancer et survivre, surtout, sont extrêmement tendus. Ils sont soit millimétrés sur la temporisation, soit millimétrés sur les actions à faire. Et... c'est rien, c'est des gens. Non, c'est vendredi qui a fait ça. C'est rien, c'est des yeux. Oh purée. Et dans cette ville, la tendance, c'est effectivement à retrouver des gens qui ont laissé leurs habits, se sont désintégrés en un éclair. Et se débarrassent de leur corps, ou on les débarrasse de leur corps, j'aime plutôt pas. Moi, non, chien. Non, va aller là-bas. Viens, vendredi. Monte pas sur ce banc. Il est trompé, ça, lui, si tu vas te prendre un gars. Ah, je crois que on est attendu, hein? On va dire ça, on est attendu. Cette porte ouverte, viens, on n'y va pas. Non, viens avec moi. Tu sais quoi, vendredi? Je fais un horrible cauchemar. J'ai rêvé que on montait cet escalier, tu vois. Et puis je te tenais par la main, comme ça, exactement. Et arrivé tout en haut, je t'ai dit de me suivre et on est mort. Mais c'était qu'un rêve, heureusement. Non. Donc il pleut des gens, alléluia. Oui, ce sont des hommes. Donc il pleut des hommes, alléluia. Et ils ont une forte attirance, non pas pour ce qui semble les attirer d'habitude, mais pour cette petite chose à écran. Ça va, monsieur? Non, je crois qu'il va pas bien. Monsieur, ça va? Bon, on s'en fout, on se casse, nous. Donc on a des gens qui sautent par les fenêtres, qui se jettent la tête la première dans les écrans. Et tout est supposé être normal. Vous connaissez le coup de l'échelle qui va faire squeak? Ouais, non, mais là, on l'a vu venir, ça va. Hop. Et... squeak. Je vais quand même me mettre là s'il faut le rattraper. Là. Non mais toujours, on est deux quoi. On se supporte. Est-ce que j'ai toujours ma lampe? Ça c'est la meilleure nouvelle depuis l'invention du beurre dans le sandwich. Monsieur? Monsieur, tu fais quoi? C'est pas très très beau le voyeurisme, tu sais, hein.
Bon, au moins ici, les gens sont occupés, contrairement à l'orphelinat où tous ces mioches couraient dans tous les sens en faisant les pires conneries du monde. Là, ça va. Ils ont cette fascination pour la petite lucarne, c'est limite rassurant. Oui, je vais éviter de rentrer dans les récipients, vous avez vu ce qui s'est passé avec une baignoire, ça a été tragique. Non pas que je suis mort, mais que le jeu m'a coincé en fait, et j'ai dû relancer. Ça marchera pas. La télé dans la baignoire, c'est très dangereux. Il y a un chanteur célèbre qui a beaucoup regretté ça. On est passé sans encombre. Ce qui veut dire que... encombre, il devait y avoir dans pas longtemps. Drody. Drody. T'es sûr de ton coup, toi? Ok. Ouais, non mais... Je te rappelle, toi, le vertige, non, moi, oui. Ok. This is annoying. Attends. On va analyser la situation quand même un peu. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Est-ce que je peux ressauter sur ce truc là-bas en face? Bah on va le savoir tout de suite en fait, je crois. Quoi? Hein? Qui? Non. Pas de mon plein gré en tout cas. Passer par là n'est pas une très très bonne idée apparemment. Tu sais, il faudrait mieux pas qu'on y aille. On va être encore coincé. Il en fait qu'à sa tête. Tu veux pas m'aider à ouvrir ça plutôt, man? Ah oui, des gravats devant, tu peux pas. Oh, tu saoules. T'as bien vu qu'on était coincé en haut. T'as une autre soluce, toi? Non? Ok. J'ai pas super envie, en fait. Parce que ça va pas changer la situation qui est... d'être deux personnages fictifs réellement coincés. Clé, c'est dehors. Passage, il n'y a pas. Mais alors, il n'y a vraiment pas, quoi. Tu veux me faire une courte? Je sais pas, c'est ton idée, viens. Moi, je voulais pas monter là. Du coup, on fait quoi? Ah, ouf. Oh. Bah oui, mais tu mérites que ça, bonhomme. C'est ouvert ici? Non. Tu bluffes. Par contre, la lumière passe à travers. Ça, c'est pas... Il y a un petit manque de finition, les gars. Bon, Drody, faut qu'on discute. Pourquoi tu m'as fait monter ici? Si c'est pour qu'on soit coincé encore. Regarde ce cadenas, je vais pas le casser juste en soufflant dessus. Non, ça marche pas. Alors, ce que je te propose, hein, on va discuter. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse encore de ça? Alors, attends. On va le refaire, pouf. Parce que si on peut pas sortir là-haut, on peut sortir à droite, à gauche. À droite. Ah, t'as vu pareil que moi là-dessous, là.
Ouais, sous le plancher. T'en vas. Tu vas. J'ai un poil oublié de sauter, mais j'avais l'idée, je vous jure. Fallait vraiment le voir. Suis-moi, Dandy. Je me suis pété le nez, heureusement que j'ai le masque, vous ne voyez pas, je pisse le sang par le nez. Ah oui, je me suis mis un gadin. Alors, il y a des fois, il y a des trucs pour les voir, voir ce qu'il faut faire. C'est chaud, chaud quand même. On passe 10 fois devant et... Ça ne fonctionne pas. Et comme par hasard, pendant que monsieur... se fait reluire. Je sais absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté. On va dire que je suis arrivé à l'étage. Oui, oui. Oh. Pendant que monsieur est tranquille, enfermé dans l'ascenseur, qui c'est qui va aller chercher la clé, comme par hasard? Comme par hasard, je pose la question, je demande. On y va. Ça, c'est encore un appel d'ascenseur chopé, c'est beaucoup trop... Si cette boîte est là, c'est parce qu'elle a envie que... Un désir intense que je m'en serve pour faire diversion, car dans cette salle, il va y avoir... Personne. Une clé, c'est dans un tiroir. Jusque-là, tout va bien. Non mais, ramasse ta clé, toi. Zette. Je vais voir ce qui se passe là-haut. Ouais, non, y a rien pour moi, rien pour moi. Si je vais là pour faire le malin, eh ben y a pas grand chose non plus. Et j'ai l'air très bête. Je vais ouvrir ça quand même parce que je suis nu et voilà. J'avais envie. Ça marche pas. Bon, on y va. J'arrive, 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 j'arrive. J'étais en train de vérifier des papiers. Oui, ouais, tout ça. Ouais. Ça vient, ça vient, ça vient. Hop, tu m'aides. Juste ça. Juste ça, je t'emmerde plus après, promis. T'es chou. Tu m'attends là? De toute façon, t'as pas trop l'intention de me suivre. Et je vais essayer de pas me péter la gueule à la descente. Purée. Il était vraiment in extremis. Hein. En fait, faut sauter très très tôt pour amorcer la descente. Sinon, c'est trop tard. Voilà, c'est l'autre mot. Maintenant, on va voir si ça marche. On va monter ici. On va rappeler cet ascenseur. Et on va sauter sur son toit. Ouais, ouais, ouais. On est comme ça maintenant. On est des fous, quoi. Tu le veux, ça? En souvenir? Non? Ok. File-moi encore un coup de main. Et tiens-toi prêt. Viens. Oh la vache! C'était perve, c'était très pervers ça. Alors vous moquez pas du boulet mode, ça aurait pu vous arriver, hein, je vous le dis franchement. Il se bouge ce truc, moi je bouge tout maintenant. Je suis bougeman. Bah oui, il se bouge, regarde, il y a un Strauss. Non mais je peux faire tout seul, c'est bon, j'ai pas besoin de ta... Lâche-moi! Tu sais pas à quelle direction je veux aller. Oh, tu me gonfles. Brody. Quand je prends une initiative, je t'ai déjà dit quoi? Il faut jamais la suivre. Ok, allez, on y va. C'est fermé, anyway. J'avais anticipé un peu. On va là, du coup, ou je vais explorer à gauche? Bah, on pourra revenir à gauche, probablement. Salut, ça va? Oh, 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 encore un. Bon, qu'est-ce qui va m'être utile à part ce PQ? Je crois que le piaf en bouteille, c'est pas terrible, terrible. Hein. Je vais me le mettre de côté quand même, parce que des fois qu'il nous arrive un truc triste et dramatique à la fois. QH, je peux pas m'accrocher. Bon, il y a rien de spécial à faire, à part que c'est assez glauque comme déco. Je vais prendre ce PQ, hein, je suis sûr qu'il nous servira. Brody, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir te lâcher. Tu vois le PQ? J'ai aucune idée de à quoi il sert pour l'instant. En plus, avec cette humidité, il devrait être en lambeaux. Mais
J'ai ma théorie et confiance. En fait, fallait ramener tout simplement la... Ah, je vais jeter le PQ là-bas, tiens. Comment ça, elle tient pas ma théorie avec le PQ? Mais si, mais laissez-moi faire, je suis un artiste. Ah, là, va des rétros. Rodi, viens, j'ai dit des conneries. On va ramener la caisse là, on va faire des trucs avec. Regarde-moi faire, hein, surtout. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis malade, mais je me plains. Non, je me plains pas. Bon, ma théorie n'a ni queue ni tête, ça se trouve, on pouvait les passer tout connement comme ça, il y en a marre. C'est l'émission de tous les boulets aussi aujourd'hui. Oui, alors j'enregistre pas le même jour que tout le reste. Tout le reste, je l'ai fait quasiment sur les 24 mêmes heures. Et là... Et là, ce sont 24 rencontres. D'ailleurs, ça se voit, regardez. C'est plus du tout la même ambiance. Toc toc. Non. Oui, juste. Pas ce qu'il veut attraper, lui, à part le saucisson là-haut. Bon, on dit, je crois qu'il va falloir qu'on bosse à deux. En plus, ce mur est totalement étrange. Ah, ce tapis m'empêche de bouger ça. Pourquoi il vient pas, cette nouille? Qu'est-ce que tu fous? Donne la patte. Tu veux plus me suivre maintenant? C'est quoi ce bordel? Il a super pas envie, hein. Alors, way. On va voir ce que ça fait déjà si je pousse ma boîte. Je peux plus la bouger, anyway. Il y a un truc là. Pourquoi mon binôme veut pas me suivre? Il doit y avoir une raison logique. Quoi, tu vas pas rester dans la flotte comme ça? Attends, j'ouvre plus si c'est que ça. Vas-y, rentre. Quoi? Qu'est-ce que j'en fasse? T'as vu quoi? Oui, je prends un peu de distance pour observer des fois qu'il y a une vara pas ferme. Ah, c'est probable, mais... J'y crois pas trop. Oh, le vice, si. Le jeu est coquin, il est vraiment très coquin. Pourquoi je me suis ennuyé du coup ouvrir cette porte en dessous? Je sais pas. C'est un détour gratuit, je crois. C'est pas très gentil, ça. Oh le jump, oh le jump, oh le jump, oh le truc, ok. Bibi va actionner la manivelle comme d'hab. Puis on va le laisser tout seul abandonné ici. Donc monsieur va aller se rincer la pilule de l'autre côté. Moi pour passer, il va falloir que je fasse un jump de ouf.
Oui, c'est la journée où on va plus s'entendre avec. Non, j'ai pas confiance. Non, je fais pas des trucs comme ça, moi, monsieur. J'y vais. Je te laisse finir. C'est à toi de trouver la solution, la suite. On compte sur toi, vas-y. Pff. Oui, toujours cette petite envie de vomir face au vide. C'est important. On va prendre l'échelle comme tout le monde. Hein. On va essayer de faire un truc normal pour une fois, ça changera. C'est peut-être un peu osé, mais on va quand même le faire. Positionne-toi bien là-bas. Bon. Peut-être aller plus vite. Oui, pour une fois, j'ai pris le temps d'inspecter et c'était une erreur tragique. Bon, laisse-moi faire, Brody, laisse-moi faire. J'ai tout géré. J'ai tout géré, je vais la défoncer cette porte. On a que ça comme solution. Ah non, non. Viens. Je crois qu'on a eu un problème. Mais on est vivant. J'avais le doute quand même. Non, Drody ! Tu sais que tu m'as fait peur, toi ? Ça va peut-être recommencer ? Oui, c'est pas faux. Quelle misère. Je vais finir de faire tomber ce canapé. Non, tu veux pas, ça t'a pas fait rire. Moi non plus. Il ne m'a pas fait rire du tout ce passage. Parce que... Laisse-moi leur expliquer. C'était pas évident quand même de deviner que cette porte céderait alors que toutes les portes verrouillées jusqu'ici ont montré une sérieuse résistance à l'ouverture. Ah, tu les aimes bien ceux-là, prends-le. Faire, me demande pas, tu sais pas, tu demandes pas. C'est étrange ces jouets qui sont quand même rivés dans le sol, ça a pas trop de sens. Celui-là, je peux le prendre, mais j'en veux pas. Hein, je le signifie. Et donc. Ça fait partie du décor, ça. On n'y bouge pas. Ok, Drody, t'as une idée? Non, parce que moi, j'en ai tout le temps, mais pff, je commence à en avoir marre, là. J'ai plus ma lampe de poche. What the frag? Les gars, on m'a sucré ma lampe de poche. Ma lampe, pas ma langue de poche. C'est un peu tendancieux, ça.
Bon, ce que je te propose, Dordi, chacun prend un jouet, hein. J'avais une locomotive, mais bon, un cube, ça ira. Pourquoi tu m'as jeté la godasse? Sur un chemin froid et obscur pour une délivrance qu'ils ne trouvèrent jamais. J'étais pourtant super bien planqué, hein. Vous êtes témoin. Non? Ok. On va aller où il parle lui? Parce que vendredi a tout le temps des bonnes idées. Pas tout le temps. Souvent. Faut que je me rappelle où c'est que je peux me planquer. Dans. À droite, on se planquera pas, hein. Si? Ok. Attends. Il est tendu, Hertzmann. Ah, Dordi, je peux rien pour toi. Non, c'est bon, ça va couper. Et en fait, Hertzmann aspire les gens dans son univers télévisuel. Et il n'en reste plus que des fantômes, des hologrammes. Bref. Quelques bribes d'élucubration. Et c'est foutu. Et je me retrouve alone again. Drudy, je regrette tout ce que je t'ai dit comme méchanceté. Je regrette quand je t'ai poussé. Je regrette quand je voulais te prendre ton jouet. Je regrette tout ça, quoi. Je vais aller casser cette télé pour te venger.